Orienté vers l'élevage bovin, avec une préférence pour la race blanc-bleu, le Luxembourg belge compte aujourd'hui un peu plus de 2300 fermes, des fermes familiales où les candidats à la reprise manquent cruellement. Chez nous, une ferme disparaît tous les trois jours. C'est lié notamment donc au contexte mondial donc des prix. Au marché mondial qui n'est pas bon pour l'instant, donc tout secteur confondu, également aux contraintes administratives, aux contraintes environnementales qui font que les jeunes ont de plus en plus difficile à reprendre les exploitations. La surface agricole, elle reste stable, on est à peu près à 139 000 hectares, donc un peu plus de 30% de la surface totale de la province de Luxembourg. Au regard de ce qui se passe ailleurs en Wallonie, c'est chez nous que le bio prend le plus de place dans la production agricole. Le bio, Yves Perrault, a pris ce virage tout naturellement. Son credo, une agriculture raisonnée et propre. Il a conservé en plus une partie de son élevage en traditionnel, en privilégiant le blanc-bleu. L'élevage était une évidence, c'est une passion. Voilà, on ne pense pas faire d'autre chose, on ne pense pas diversifier. On essaye de faire du bon élevage, du propre et de bien le vendre. Parce que maintenant, avec la crise, on se rend compte que c'est la clé. Ingénieur agronome de formation, Yves a mis une main dans le métier puis les deux il y a 15 ans. Il perpétue ainsi la tradition familiale ancrée dans ce village par 6 générations d'éleveurs. Oui, ici tout le monde est calme, tout le monde dort, c'est un endroit de tranquillité. C'est ça qu'il faut aussi pour les animaux, hein, pour bien se terminer. Aujourd'hui néanmoins, Yves se demande si le métier est encore gérable pour un homme seul qui doit en outre être hyper qualifié. Le métier devient imbuvable et on en arrive vraiment à vraiment cette extrémité où on entend des parents dire à leurs enfants « ne reprends pas ce métier, il est foutu, il est pourri ». Face à la difficulté, il faut s'organiser. Très vite, Yves a coordonné la commercialisation de la viande, bio ou non, pour une centaine de fermes en Ardennes. Un réseau s'est créé, parmi ses clients la grande distribution. Mais Yves dialogue aussi avec les bouchers du coin. Il joue la carte des circuits courts, comme ici, à Palizol, chez Benoît Poncelet, rare boucher à abattre ses bêtes. Donc ici, Benoît, j'aimais bien qu'il nous reçoive aujourd'hui, parce que c'est l'exemple. De l'année, on ne parle pas du prix, par exemple. On n'a jamais parler du prix sur un an, pour ainsi dire. Mais par contre, de la qualité, toujours. On sait travailler autour de 15 cents en plus, 20 cents, 25 cents en plus par rapport à du tout venant. Donc on a un petit bonus qui fait qu'on peut imposer un travail de qualité à l'éleveur. Une alimentation de qualité, des bêtes bien finies, des bêtes qui restent sur place. On a un petit bonus, mais ça ne va pas sauver l'agriculture. Se regrouper pour répondre au mieux à la demande en visant la qualité, c'est comme cela qu'Yves Perrault compte faire la différence face aux grands industriels et à la mondialisation.